Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon de Ruby S en Nuzlocke. La dernière fois on était arrivé jusqu'à Eternara, on avait malheureusement perdu des Pokémon entre temps. C'est le 31e épisode si je crois bien, en tout cas selon le nombre d'épisodes que j'ai dans mon document, je crois que c'est l'épisode 31. Et du coup on commence là. 6e, je crois, semaine de diffusion, donc un mois et demi que le let's play est en cours. Aujourd'hui, on va décider de qui va remplacer les Pokémon du coup, qui nous manquent dans la team. On va faire principalement des Pokémon Zone, de la préparation, tout ça. Donc, c'est un épisode bonus, ou un épisode filler, appelez ça comme vous voulez, mais vu qu'il se passe quand même quelques trucs importants, comme qui va rejoindre l'équipe, on peut pas considérer ça comme un filler. Donc bon, qui va rejoindre l'équipe? On a déjà un type feu combat. Normal, plante poison au vol. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un Léviator, ça serait un peu pas ouf, je pense. Poison, on en a déjà un. Techniquement, on pourrait réavoir un Electrode ou on peut avoir un Raichu. On peut avoir un petit psy aussi. Psy. Je vais voir principalement quelle faiblesse on en a. Pokémon, weakness, calculator. Et du coup pour une équipe. Pokémon, du coup, on a un prime Pokémon du coup de type feu et combat. Ah merde, j'ai pas vu. Deuxième type. Combat, save, ajouter un Pokémon, le deuxième du coup est de type normal, où est le type normal, ici, save, troisième Pokémon de type plante et poison, du coup plante, poison, on save, et on ajoute un Pokémon de type eau et vol, on save, alors, bon, le type fée n'existait pas. Faiblesse. Alors on a... Ouais, on a une faiblesse psy. Une faiblesse vol. Psy et vol principalement. On a deux faiblesses électriques. Il faudrait un truc pour contrer du coup le type vol. Électrique principalement. Et psy. Pour le type psy, on pourrait prendre un type ténèbre, du coup on aurait cornèbre, mais ça nous rajouterait un type, une faiblesse électrique. On n'a pas énormément de choix. Hein. Si on rajoute un type sol, ça couvre notre faiblesse électrique. Donc en soi, on peut prendre Groudon. Et ça baisse également notre probable faiblesse eau qu'on a vu que bah il y aura le soleil. Je vais voir si ce que Lennox, est-ce que est-ce que il a été boosté en termes de statistiques. Non, je crois pas. Non, il n'a pas été boosté. Il existe actuellement des Pokémon qui sont boostés en termes de stats. Cornèvre en soi a été boosté, mais j'ai pas envie de jouer Cornèvre. C'est pas ouf, je trouve. Pichu, ça risque d'être chiant, le bonheur. Mais Raichu, c'est fort. Raichu, c'est bon. Donc, je pense qu'on va prendre Raichu. On va prendre Amande. Du coup, si à l'équipe, je rajoute un type électrique. Save. Et si je rajoute un type sol, est-ce que ça va nous aider? Ça rajoute des faiblesses. Bon, déjà, on va garder
Pichu, je pense. Enfin, Raichu, du coup. J'achèterai une pierre foudre et je le ferai voler tout ça hors caméra. Et après, on peut prendre ferme. Hein. Un type spectre, ça peut être bien. Serpang est passé aux ténèbres, donc est-ce qu'on prendrait pas Serpang? Coco qui perle. Ça nous ferait une deuxième faiblesse électrique en soi. Faiblesse combat, mais on peut pas trop compter sur ça. Poison vol, oh, on a déjà... Non, compliqué, hein. Et vous, qu'est-ce que vous auriez pris? Dites-le en commentaire. À déplacer les Pokémon. Comme ça, on aura un peu plus de visibilité pour faciliter la chose. Hop, et on sait qu'on a Groudon qui est ici. Niveau choix, c'est pas énorme. Hein. On pourrait prendre Marest. Marest, c'est fort. Ça a qu'une seule faiblesse plante. Et pour contrer le plante, on a totalement de quoi faire. Malgré ça, si je modifie et du coup que je fais sol, haut, du coup sur le calculateur de faiblesse, ça mec, on a une faiblesse bon, électrique, ça c'est avant, mais ça met une faiblesse plante. Mais le type plante, bon. On a Béquipan, on a Rappelgar, on a Brazegali, on a 3 Pokémon pour contrer le type plante. Et du coup, effectivement, aussi, le conseil 4 est custom, donc on n'a pas de type particulier. Du coup, c'est pas Ténèbres, Spectre, Glace et Dragon. Donc, on n'a pas trop giga le choix. Un type électrique, ça nous aiderait fortement. Donc, je pense qu'on va prendre FF. Raichu ou Electrode? C'est quoi le mieux entre Raichu ou Electrode? Là, je vous avoue que je préfère prendre mon temps pour être bah, du coup sûr de ce que l'on va faire. Et pour pas avoir des Pokémon qui meurent assez vite aussi, ça m'aiderait bien. Alors Pikachu, Raichu a 485 de base stats. Non, alors non, j'ai totalement voir le mauvais truc. Electrode Pokémon. Parce que là, ça m'a ouvert le truc qu'on branche sur les personnes. Et ce n'est pas trop ce que j'ai envie de savoir. Electrode a 150 de vitesse, mais après, c'est une chips. Et il tape moins fort, 50 et 80. Et Raichu, il a 90-90. Donc, on va prendre Raichu. Raichu est largement meilleur. Amande, tu viens avec nous. Tu seras le dernier membre de l'équipe. Après, du coup, déplacer Groudon avec tous les autres. Donc voilà la gueule de l'équipe. Du coup, on aura Brazegali, Ratatak, Rafflesia, Béquipan, Marest et Raichu. Tout ce qui est moveset, XP, tout le tralala, je m'en occuperai hors caméra. Parce que bah, ce n'est pas intéressant. Et on a déjà fait un épisode filler d'XP. Qui, je sais pas si cela vous aura plu. Mais du coup, on va faire les zones. Petit à petit, parce que bon, on a quand même pas mal de zones à faire, et bah, du coup, il faudrait qu'on commence dès tout de suite. Ça nous permettra bien de faire les choses correctement. Bourrenvol, j'ai vu qu'il n'y a pas de Pokémon de dispo, donc on va skip. Pareil pour Otekwa. Otekwa, ça m'étonne qu'il n'y a rien. Merde, ça c'est Simtronel. Je voulais faire du coup vol sur Otekwa, parce que ça m'étonne. J'étais sûr qu'il y avait des points, un point d'eau au moins. Ouais, ouais, c'est peut-être... Ah non, c'est la route 114 qui est juste à côté avec un point d'eau. Effectivement, du coup, Aotekwa n'a pas de zone. Du coup, je pensais. La zone de Pacifiville. En même temps, là, je suis du coup sur Poképédia pour les zones. Alors, le seul Pokémon que l'on ait... On a tous les Pokémon dans la zone, mais vu qu'il faut quand même faire... J'ai envie de faire... toutes les zones, malgré le fait qu'on aurait des doublons. Et ben, on va quand même faire la zone Pacifiville. Du coup, fut un temps, on avait skip
du coup un chenal parce que bah on pouvait pas avoir de Pokémon, mais là vu qu'on va accepter le doublon je pense pour principalement les Pokémon que l'on a déjà. Alors le meilleur ça serait de la Mega Can parce qu'on peut avoir un Sharpedo à 45%. Et Sharpedo, si on réobtient un Sharpedo, moi je veux bien. Du coup la Roche Royale on la donnera à... Je pense à Raichu. Je pense à Raichu ça peut lui être bien. On a toujours la Mega Can d'enregistrer, parfait. On va enlever le speed. Donc on a 45% de chance d'avoir un Sharpedo. J'espère qu'on va avoir Sharpedo. Du coup le Pokémon Zone c'est Quillfish. C'est vrai qu'on est dans Ruby, c'est pas dans Ruby tout court. Quillfish comme Pokémon de zone. Intéressant. Je vais juste faire une petite coupure pour vérifier un truc. Excusez-moi, du coup on reprend. Quillfish du coup on disait. Quillfish, bah... C'est pas le meilleur Pokémon, j'ai envie de dire, mais bon. Darnuée. Ouais, on est une double France. C'est une femelle, j'ai déjà son surnom. En tête. Et contre temps bas, du coup, j'ai regardé vite fait comment je pourrais le rename. Et il pue. Bon, je pense pas qu'il. Je pense qu'il meurt pas sur double pied. Bon, on prend poison, c'est un peu chiant. Allez, filet ball, peut-être que ça va plus fonctionner. Et voilà. Ben Armure Lilipu Darnuée, bon. Là le moveset, j'ai envie de dire. 2, 3, capturer. Du coup, c'est une semelle, on va l'appeler Ciel. Bah, du coup, bah, Ciel, si tu regardes, bah, je t'ai vu passer. Sur les personnes qui sont connectées actuellement. Et du coup, bah, voilà, ça va être toi. Voilà, tu seras un Quillfish. Donc pour pacifier ces gouttes, direction Lavandia. Mais d'abord, je vais vérifier s'il y a des Pokémon à Lavandia parce que ça se trouve, il n'y en a pas. Après, c'est possible que Celsup en a rajouté. C'est aussi une possibilité. Hop, Lavandia, qui est juste ici. D'abord, on va se soigner parce que j'ai pas envie de crever du poison, vous voyez. What, c'est quoi ça? Ah, ça c'est dans Rosa. Merci. Bon, il n'y a pas de zone prédéfinie à Lavandia. Mais est-ce que ça suffit à rajouter une zone d'herbe? C'est possible. Là, c'est la route 117. Là, on est à Lavandia. Là, on trouve la CT 49, du coup, qui est... je ne sais pas du tout. De toute façon, vu que... Plaie-croix. C'est sympa, ça. Et à ce que je vois, il n'y a pas de zone d'herbe. Il y a une zone... d'eau, mais qui est inaccessible. Donc, Lavandia est une zone infaisable. Hop, je vais le noter. Vermilava, ensuite. Est-ce que selon Poképedia, il y a des zones? On va voir. En attendant, nous, on va s'y diriger. Bon, il y a l'œuf de OKOK, mais vu que c'est un Pokémon donné, je le compte pas personnellement comme un Poké de zone. Il y a toujours eu un truc ici. Bah, apparemment. Et du coup, bah, Vermilava, il n'y a pas de zone non plus. Donc, hop, on note sur le fait qu'il n'y en a pas. Simtronel, allez, il est juste ici. Là, j'imagine voilà qu'on sort. On aurait pu capturer le clon d'ici, mais on ne savait pas. Et route 120. Donc, il n'y a pas de zone à Simtronel. Je vais toujours vérifier hein, sur Pokévida, dans le doute. Parce que bah, je préfère être sûr. Alors il y a un échange de Skitty. Enfin un échange contre un Pikachu. Mais bon. Et dans Emerald on peut avoir un Posipi contre un Musiole. Là l'échange de merde j'ai envie de dire. Eternara, on n'a pas fait la zone d'Eternara? Je crois que si hein.
va vérifier parce que je crois qu'on l'avait faite. Mais qui, je ne sais plus. Non, non, non. Clémentiville. Atalanopolis. Grotte Victoire. New Lavandia. Et peut-être dans les Pokémon, hein, on sait jamais. Planck. Bah toi du coup on sait que non. Et les deux nouveaux. Forestial, Clémentiville. Bah du coup on n'a jamais fait de la zone d'Eternara en elle-même. Du coup bah... On va voir ce que l'on peut obtenir, tout simplement. Eternara, voyons voir. De base, hein, parce que j'imagine que ça a été modif. Mega Can, on va voir Corillon, donc on va se forcer à jouer Mega Can. Et voyons voir ce que l'on peut obtenir. Bon, c'est vrai qu'il faudra retirer l'accélérateur. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Rien de rien. En espérant qu'on tombe sur des vrais Pokémon aussi, parce que bon, j'avoue que Corillon, c'est pas le meilleur choix que j'ai envie d'avoir. Je vais juste faire une petite coupure, je dois regarder un truc avant et je vous reprends. Je vous reprends. J'ai juste fait une tentative hors caméra. Parce que bah, j'ai appuyé sur sans faire exprès, enfin sur Select sans faire exprès. Et j'ai mis du coup la pêche. Merde, il est reparti. J'avoue que le système 3G de la pêche, je ne l'aime pas du tout. Je le trouve compliqué pour rien. Alors qu'ensuite, bah, du coup, à partir du moment où on avait le point d'exclamation, c'est que c'était bon. Là, c'est compliqué. Là ça mord, là ça mord encore, là ça remord, là ça remord, et ah, quel Pokémon on va avoir? Welmer, du coup qui va être notre Pokémon Zone. Sauf que vu que je ne sais pas quels Pokémon sont dispo, etc. J'ai la flemme. Par Eternara. Il n'y a rien qui a été rajouté à Eternara, j'ai l'impression. En termes de Pokémon supplémentaires. Quoi, bourre en vol, on peut avoir des Pokémon? Attendez. On peut avoir des Goubou à bourre en vol. Des Poussifeux, des Arco à 5%. Pour Goubou surfer. Pack Safari, Mon Memoria, des grottes. Je suis en train de regarder les trucs. Les trucs, la tour de combat, tout ça. Je pense qu'on fera la tour de combat, un petit peu. On peut avoir l'eau classe également. À ce que je vois. Et à Talonopolis, du coup, on peut avoir les starters, forme finale. Et du coup, bourre en vol, on peut avoir des starters, ça c'est bien. Mais bon, ça change pas qu'on a Welmer. Et j'avoue que c'est un peu débile ce que je viens de faire. Filet ball. C'est pas le meilleur Pokémon, Welmer. Mais bon, le Tutoscorp, je crois qu'il s'appelait, est mort bien trop tôt. Il a servi de switch safe, malheureusement. Et donc il est mort. Comment je vais pouvoir t'appeler toi? Est-ce qu'on a un Pokémon qui s'appelle Bubble? Oui, on a déjà un Pokémon qui s'appelle Bubble. Oui, on va te donner un surnom. Rosou, ça déjà. Wakima. Est-ce qu'on a un Pokémon qui s'appelle Wakima? Non, on n'a pas de Pokémon qui s'appelle Wakima. Et bah du coup, ce Welmer sera Wakima. Bah du coup voilà, on a un nouveau Pokémon. Où est le cul? Ici. Ouais, qui m'a. Et on va se diriger du coup vers... vers Bourg-en-Vol parce qu'on peut avoir des Pokémon à ce que je vois. Hein. On va se dire Bourg-en-Vol. Hop du coup. Apparemment il y a une zone de surf. Ah mais j'avais une zone d'herbe ici.
Bon, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Poussifeu, non, du coup, on l'a déjà. On peut avoir Arco ou bien Lagron. Qu'est-ce qui serait le mieux entre Arco ou Lagron? Je pense... De toute façon, on va aussi... J'ai eu peur. sur le papier, Lagron est mieux, mais on a tellement de Pokémon haut déjà. Et que des Pokémon plantes, bon, on n'en a pas giga la masse. Et si Mirioni crève entre temps, donc je pense qu'on va tester Junko. Medina. On n'a jamais eu de Medina. On n'a jamais eu de Medina. Bon, eh bien, yes. C'est absolument pas le Pokémon que je voulais, mais bon, au moins on a un nouveau Pokémon de zone. Medina, du coup, c'est un mâle. Est-ce qu'on a un Pokémon marmotte? Voilà, on va t'appeler marmotte. Il ne ressemble absolument pas à une marmotte. Mais on va t'appeler comme ça. Super Ball. Bon, sauf si tu ne veux pas rentrer. En attendant, je prépare le sur mon document. Hop, on a une marmotte du coup qui est avec nous. Hop, en espérant que ça rentre parce que j'ai pas vraiment compté. Marmotte. Et combien de caractères en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 caractères. Faudra faire attention pour les prochains. Donc route 105 est pour la prochaine zone que l'on n'aurait pas faite. Et par curiosité, est-ce qu'on aurait pu avoir Arco facilement? Ou bien on va se faire foutre, tout simplement. On va se faire foutre, tout simplement. De toute façon, on peut avoir tous les Pokémon techniquement dans cette room, d'où le fait que bah, du coup, les starters sont dispo. Et que le breed du coup, est possible également pour avoir les plus petites formes, etc. Route 105. Alors c'est vrai que si je ne sais pas où est la route 105, ça ne va pas m'aider. 103, 110, 104, 102, 103, c'est où la route 105? Bon, je vais regarder. Route 105, route du... Ah, c'est ici. C'est le chenal 105 plutôt. Je veux dire, on n'est jamais allé... Jamais allé au village Mokira, mais si. Donc c'est là-bas, on va voler en direction de cette ville. On va se heal également avant, hein. Parce que ben, on s'est pas trop heal depuis qu'on s'est pris Siphon. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a dans un ramasseur, j'allais dire. Une écaille cœur, et dans Emerald on peut avoir une grande perle. Et on peut avoir du fer. Youpi. Si on niveau dresseur, elle n'a pas mal à ce que je vois. Et niveau Pokémon de zone, ça va pas être la fête. On a déjà tous les Pokémon disponibles. Et ça, c'est pas ouf, j'ai envie de dire. C'est un peu chiant, hein, d'ailleurs, que tous les Pokémon OAON sont partout les mêmes. Donc ça fait que bah, c'est pas trop utile de vouloir farmer tout ça. Et donc, bah... On va surfer hein, principalement. Enfin, on est toujours sur la route 104, donc. C'est vrai que si on obtient des Pokémon haut, principalement, on va peut-être changer de lead. On va mettre Mirioni. Et on va du coup juste explorer un peu déjà les alentours si on n'a pas raté des items particuliers. Ce qui peut être possible. Hein. Bon, là, à part se faire agresser par une armée de Whoople, il se passe rien. Non, il y a rien du coup. Tentacool, bon, au moins. C'est un Pokémon différent. Je voulais juste revenir sur la plage pour éviter de me faire agresser toutes les deux secondes. Voilà. Allez, comme ça, on peut faire ça. Et on va se diriger au village Mokira petit à petit.
en faisant ça. Chenal 105. On va faire les dresseurs. Hein. De toute façon, ils sont faibles. Volby. D'ailleurs, j'ai réfléchi au niveau des CT. Et les movesets sont tellement nuls que j'ai pas envie de faire la ligue qui peut être hardcore avec des Pokémon aussi nuls. Donc, voilà. Je vais probablement me give toutes les CT. Donc, on a vu que notre Pokémon sera béquipant. Mais dans le doute, ou si des Pokémon ont été rajoutés, je préfère explorer un peu plus. Voilà, comme ça, je suis sûr. D'ailleurs, en voulant être sûr, je vais même regarder sur le document des changements. Est-ce que sur la route 105, on peut avoir des Electek? Mais non, pas du tout. C'est ton. Ah, là, c'est juste la partie des stats, donc non. Donc Béquipin sera bien notre Pokémon de zone. Il n'y a aucun Pokémon sur le Chenal 105 qui a été rajouté. Ouais, il meurt à nouveau, donc prochain Béquipin contrôle, ce sera le Poké de zone. Bon, c'était un beau. Ça reste un bon Pokémon Béquipin, je dis pas le contraire, mais vu qu'on a déjà pas mal de types eau. Enfin ouais, je me comprends. Bon allez, on va faire le Pokémon de zone au moins. Gwiz, non, c'est Béquipin que l'on veut. Gwiz again. Je sais pas, il a combien de Béquipin, mais il doit pas être très très haut. Je vais regarder. Ah, bon. Bon, on a eu un peu de chance. Bon, déjà là, on se prend des Gwiz à 35% et Béquipin, il est à 5%. Au pire, de toute façon, Gwiz, Béquipin, de toute façon, s'il faut XP, ça sera plus ou moins la même chose, non? Bon, j'avoue. On va mettre en x4. On est tombé sur Béquipin, on va fermer tant qu'on n'a pas de Béquipin. Et tout à coup, qui est le Pokémon qui est à 60%, malgré tout, qui est le plus commun, on vient à peine d'en avoir. Donc, et Béquipin qui est à 5%, on l'a eu dès le début, donc on a vraiment la chance, j'ai envie de dire. On va peut-être même tomber sur un shiny, possible. Hop. Allez. J'ai envie de le tuer. Ouais. C'est pour ça. J'espère du coup que cet épisode vous plaira, hein. C'est un chat plus tranquille que d'habitude. Pierre, je pense que si au bout de 3 rencontres, après, à partir de maintenant, si on n'a pas de Béquipin, on capture un Gwiz, de toute façon vu qu'il évoluera, ça comptera comme. Attends, allez, on va faire encore quelques rencontres. Parce que sinon ça risque d'être long et on a d'autres zones à faire. Bon ouais, le prochain release, ça sera le Pokémon du zone vu qu'il évoluera forcément à un moment. Non, on veut pas de toi Tentacool. Pourquoi je bouge plus? Ah ouais. Allez hop, voilà. Release. Super Bowl. Allez hop. Du coup, Chenal 105, c'est Gwiz. C'est une femelle, encore une fois, sinon ce n'est pas drôle, j'ai envie de dire en termes de trucs, de zone. Est-ce qu'on a un Pokémon du nom de Nawel? Je crois que oui, hein. Non? On en a. Ça m'étonne. Et bah du coup, ce Pokémon s'appellera Nawel. Bon, normalement, de base, c'est Nawel underscore Anaon. Mais vu qu'il n'y a pas de place, ce sera Nawel tout court. Déjà, on va remettre le jeu en x2 également. Nawel. Voilà, comme ça. Underscore Anaon. Non, ça aurait pas passé. Il manque un 11e caractère. Donc, voilà pour cette zone. On va faire. Ah, j'ai cru que c'était des.
des trucs, des dresseurs. Il y a un montagnard. Bon, on va l'affronter. On va principalement clear les quelques dresseurs que l'on a à disposition. Et après, on se quittera parce que ça fait déjà un gros épisode. Et je pense qu'on va continuer dans cette lancée dans le prochain. Parce que j'ai envie de faire ça. Des zones. Ça me permet de gratter du temps également avant de faire la ligue et de faire d'autres choses. Parce que il faut que je me prépare pour la ligue aussi, tout simplement. On a battu le Ruin Maniac. Là, on a vu qu'il y avait un pêcheur, mais non, du coup, un nageur. Et à gauche, du coup, on a vu qu'il y avait d'autres trucs aussi. Caravana, on va faire acide, même si Volvi aurait été mieux parce qu'on va prendre trop dur. Ah non, pas du tout. C'est juste par. C'est que par les attaques de contact, du coup, peut-être. Là, s'il n'y a pas un objet, je comprends pas. Je vais vérifier. Bah non, apparemment non. Au sud-ouest du chenal, ah c'est peut-être ici, le sud-ouest du chenal. Bah, apparemment non, il n'y a pas d'objet. Ou alors on la misse. On va mettre. J'ai dit on va mettre une repousse, mais non. Sinon, ça va nous faire perdre un peu de temps sur la suite. On a vu qu'il y a un pêcheur. Oh, un nageur juste au-dessus. On va aller l'affronter. Avant de se faire aggro. Allez, pousse-toi, Goilies. Allez, je t'attends. On s'affronte. Magikarp, niveau 28. On va faire acide tranquillement. Hein. Goilies. Et je mise sur un tentacle pour le dernier. Est-ce que ça va être ça? Exactement, j'ai eu raison. Hop, Volvi. Ça résiste. Après, on est quasi deux fois plus fort que lui, du fait que j'ai envie d'update d'avoir les CT, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est juste un tentacle que l'on passe. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, il aurait duré quand même un bon bout de temps. La prochaine fois, on va continuer dans cette lancée à faire le plus de zones possible que l'on n'a pas encore faites. En même temps, on profite pour explorer les zones que l'on n'a pas faites, cette partie du jeu par exemple qu'on n'a pas encore exploré. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et on se retrouve donc, j'espère, à la prochaine fois pour de prochaines aventures. Ça va 25 et je veux dire enjoy!